Vous êtes des bâtards, vous m'avez tagué sur Twitter sur une vidéo, j'ai rien compris les gars. Au moins il faut une licence ou un master pour comprendre le bail. C'est une manière de l'exprimer autrement que par le biais de homme, femme, neutre ou autre. Attendez. De manière globale, il y a trois catégories différentes d'identité xénogène. Donc xénogène. Genre un animal fictif ou réel, un concept abstrait, un symbole, etc. etc. Personnellement, je côtoie une personne xénogène, renard. Je suis désolé, mais moi ça me fait trop rire. Moi voilà, je le dis aujourd'hui, j'ai le droit de rire à ça, d'accord? J'ai le droit, ça me fait rire. Ensuite, il y a la caractérisation par la perception synesthésique. La synesthésie, c'est quand une sensation s'accompagne d'une sensation complémentaire en simultané dans un autre endroit du corps. Pour exemple, je fréquente une personne xénogène, flaque de couleur. Je fréquente une personne xénogène, flaque de couleur. Oh frère, chien. Et Aurélie, la vie ne l'a pas épargnée. Ah le bâtard! Vas-y, dose un peu là, la voix off là. Thomas, son mari, s'est tué dans un accident de moto. Bon, c'est normal que ça lag chez vous les gars, vous connaissez la chanson, je joue sur un écran 4K, double rotor. Tiens, mais c'est Adrien Nougaré, qu'est-ce qu'il branle ici? Je suis à moitié emballé, je vais pas vous mentir, mais ce soir, on va se faire un live à partir de 21h avec PA, Lohan et Xari. Et on va jouer à un jeu de mort là, Son of the Forest ou je sais pas quoi là. Moi je vous préviens tout de suite, ici c'est un gameplay sans son, voilà. Je mute le jeu, si vous voulez du son, vous irez sur le live des autres. Ah mais ça fait zéro peur, ta gueule. Pas de micro, pas de cam. Finalement, après une heure d'attente supplémentaire, nous obtenons une nouvelle chambre, mais qui est dans le même état que la précédente. Les chambres d'hôtel, non mais les chambres d'hôtel qui n'ont pas de balai à chiottes, oh, ça m'énerve. Je ne capte pas. Parce que je crois pas que ce soit l'item le plus cher de tout l'hôtel. Je pense pas. Quelqu'un qui dit pour le vol, les amis. Non, le vol, non. Vous avez vu déjà un quemé qui sort de l'hôtel, hop là. Et il arrive chez lui trop fier. Il a une collection, le mec, il a une collection que de brosses à chiottes. Que lui. Alors celui-là, Hilton, 1993. Celui-là, Ibistil. Oh, ça c'est ma petite fierté. Novotel, Grand Paris. Goal. Goul, on y va tranquille. Ah, elle est là. Elle est morte. C'est sa particularité. Morte. Non, elle est pas morte. Non, pas morte. Attention. Oh, la faux call. Morte. Je mets une greu. Oh merde. C'est trop. Mais putain, mais qui est le rappeur derrière ce banger? Ça rentre vraiment dans la tête. Oh, c'est très grave. Quoi. Je crois que c'est Aurel Sané. Oui. Ah mais putain, il y a un downfall de malade. Julien Marie. Non, ça vous la coupe. Ça me parle. Julien Marie. Oh oui. Julien Doré. Non. Julien ou Julien? Julien. Gary, tu es le dernier des Mohicans. Gary. Qu'est-ce que tu nous donnes? Mais j'ai aucune idée. Julien Marie. Ah, ça doit être un rappeur qui doit être... Julien Marie. Oui, Oui. Oh Ali, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais t'es un grand malade, toi. Cette femme-là, elle a tenté un enfant de toi. Mais c'est quoi ton problème? Arrête. J'ai craqué, j'étais devenue fidèle, crois-moi. Il suffit juste que Marine parte en déplacement pour son boulot. C'était juste un soir et Garance est tombée enceinte. J'ai craqué, il a dit. J'ai replongé, putain, comprends-moi. Elle était là, sa poussie à l'air. J'ai rien pu faire. Mon sexe est rentré dedans. Je lui disais, arrête, non, pas ma Tommy. Et je suis rentré à l'intérieur et vas-y, qu'il y a des va-et-vient. Je suppliais le ciel d'arrêter. Non, j'ai crié, sors, on n'a plus le temps. Un peu comme si j'étais dans Fort Boyard. C'est des choses qui arrivent, les gars. Alors, tu me disais qu'il n'y a pas si longtemps, t'avais été victime d'une arnaque, toi aussi. Tu peux peut-être nous en parler un peu plus Bah, disons que là, j'ai pas le côté impro du tout parce que je crève la dalle. Je peux te dire que. Non, j'essaie de te lancer, là, tu. Je te tends une main. Mais non, c'est. Non, tu me la joues Kamel Debbouze, quoi, donc. Non, mais pas. comment se fait-ce que là, vous ne soyez pas tout seul dans le chat? C'est incompréhensible. Putain. C'est quoi ce bordel? D'accord? Moi, je viens tous les jours, d'accord? Je lance des lives et vous me donnez pas d'argent? Croyez-vous que ça a foutre, moi? Vous allez où? Vous allez au travail pour pas être payé? Putain, dépêchez-vous. J'étais effondré, j'arrivais pas. Oh putain. Je sais pas quoi faire de mes mains. Regarde, oh non, qui c'est qui a tout pété? Mais qu'est-ce qu'il branle, lui? Il est con! Mais quel connard! Il m'a explosé tout mon truc, mais qu'il aille se faire foutre! Non, faut l'arrêter! Après, moi aussi, je crois qu'il connard! En ce moment, le boulot là, c'est que j'ai que des problèmes, donc j'arrête pas, j'en peux plus, c'est tout.
un man qui te dit qu'il veut pas Ken, parce qu'en ce moment, le boulot... Non, mais soyons honnêtes, 5 minutes. Bon, les migraines, les nanani, les nanana. Quand il s'agit d'entrer en scène, comme Tic et Tac, quand il s'agit de Revelio, mesdames et messieurs, souvent, tout ce qui se passe autour ne nous empêche pas de Revelio. Voilà, il faut quand même le dire. On trouve toujours, au fond de nous, ce quelque chose, un peu de Tennessee, pour honorer notre contrat de mariage, d'accord? Des fois, t'as pas envie, bien sûr, mais... Au fond de toi! J'ai testé là, que j'avais pas encore testé, Humber. C'est qui Humber? Alors Humber, c'est l'ange de combat. Ah oui, Humber. Zab, t'as donné ton sang? Quand j'étais jeune, mais plus depuis belle lurette. Bah, on a retrouvé hein, le transfusé, Usain Bolt. Autre source d'inquiétude. Bah, peut-être la coupe, non? Et contre son camp, les gars, moi j'ai fait mes preuves, d'accord? Moi j'ai fait toutes les coupes. Une petite mèche comme As sur le côté, en mode Okamarin ou Suzoku. J'ai fait de la tecto, j'avais de la crête, j'avais des cheveux longs, j'avais. Voilà, j'avais tout ça, c'est derrière moi, donc vous fermez votre gueule maintenant! En fait, il faudrait qu'on puisse se faire un coffre, idéalement. Et on a une biche, qui est chez nous! Pète ta porte. Le gros problème au niveau de ce savon vient du parfum, best-seller. Donc on a identifié 5 allergènes différents, dont 3 alcools, donc un produit qui est quand même très irritant. Gros, tu te douches, tu fais un alcotest, t'es foutu. Question rapidité. Quel être humain détestable et non présent? Des défiants. C'est une bonne réponse. Il nous fait chier maintenant qu'il n'est pas là. La question du jour. On vous a posé la question sur les réseaux. Pour ou contre le racisme tribal. Horrible la question avec toi. Là t'as une petite goût là. Une petite goût. Y a pas. Attends, y'a quelqu'un. Hein. Y'a une femme nue. Quoi? À 4 bras. Qu'est-ce qu'elle veut? Ah bah. Qu'est-ce qu'il y a? Sale bête va. Oh là là, qu'est-ce que c'est que bah attends, ça? Bah attends, mais c'est une créature. Voilà. Ah, on peut la sauver si on veut. Ah oui. Oui, mais elle a quand même beaucoup de bras. Hein. Ouais. Avec ta main gogol, il s'est pissé dessus. Ça va passer sur le journal de France 3. Oh là là là, moi aussi j'ai écrit comme ça. Je pense qu'on a tous écrit comme ça. Même si je vais à côté de lui puis que je veux savoir ce qui correspond avec sa copine ou son copain, bah, je comprends rien parce qu'en fait c'est que des codes et. Non mais d'accord. Il a décrypté Enigma le mec. L'abuseur de fou. Bienvenue dans Imitation Game. On va lui mettre pouvoir lunaire et c'est finito. Tiens, il attaque le corps. Il tue pas avec ma chouille, hein, j'annonce. Ça moi, va, hein. Moi j'aime bien, tu vois, je me sens que si jamais on avait une galère en moi, mode IRL, on ferait... Oh là là, l'arbre mal tombé. Là, dès que les arbres tombent, il faut crier Timber. Ah, désolé. Ton anecdote sur le périph. Oui, mais alors, c'était fou, ça. T'as pas eu des news, là? Machallah, j'ai pas reçu les PV encore. Mais pourquoi tu deviens arabe quand tu viens ici? Je fais ce que je veux. T'as un drapeau algérien sur Twitter, hein, s'il vous plaît. Ça va? Oui. Tu veux que je te prépare un petit thé? Ah, parfait, je veux bien, merci. Je t'apporte une tasse? Bah non, connasse, serre-moi du thé dans mes mains, elle est conne ou quoi? Je suis en train de me demander si j'ai déjà fait des réactions cutanées comme ça à des produits. Si, c'est arrivé, tu m'avais serré la main. J'ai dit, ouais, parce que je crois que tu viens d'un autre pays ou je sais pas quoi. C'est pas ça. Tu couches avec mon mari? Aurélie, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu couches avec Thomas, oui ou non? Aurélie, écoute-moi une seconde, s'il te plaît. Thomas m'avait dit que vous alliez vous séparer, je te jure. Yeah, oh non, mais c'était bien ça, c'était un trisome. Mais Thomas, oh là 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 là, le shooter originel. Putain, il baisait les deux, Thomas, mais c'était un tueur. Thomas, son mari, s'est tué dans un accident de moto. Mais c'était un tueur. Gigi. Ouais, mon pote. Regarde derrière ton oreille. Mais attention, qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Oh les mains, bref. Mais attends, mais toi aussi, t'as des trucs dégueulasses autour des bras, là. Bah oui, bien sûr. Comment tu t'es habillé, bah, vilain guerrier. Les amis, on va quand même pas partir sans un petit whiz. Oh, encore. Oh, arrête. Encore. Ouh. Encore. Ouh. Encore. Ouh. Ouh. Ah.